Mon Dieu, qu'on n'en pouvait plus de ces élections. Ah ben, il était temps que ça se termine, hein. J'ai la tête comme un seau. Attends, on a frôlé la propagande, hein. T'as vu la gueule de ma boîte aux lettres? On dirait un parc à conteneurs. J'ai jamais reçu autant de courriers. J'ai cru que j'étais le premier ministre. Ils te disent, hein, qu'ils veulent lutter contre la déforestation. Et puis, tu reçois 6000 dépliants par jour. Ben oui, mais bon. Tu sais que mon facteur a démissionné? Oui, burnout. Il est devenu complètement taré. Je te jure, un jour, j'ai reçu 5 fois le même tract. Je me suis dit, ce candidat est complètement fou. C'est du harcèlement postal, hein. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Hein, tu bouffes des vidéos politiques à l'appel. C'est bien simple, hein, je sais plus pour qui voter. Ils m'ont complètement détrafiqué le cerveau. Parce que moi je pensais que c'était facile. Tu avais la droite, la gauche et le centre. Mais en fait pas du tout. Il y a aussi l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre droit, le centre gauche, le centre gauche droite, la droite de gauche, la gauche de droite. Mais enfin calmez-vous. J'ai demandé à un politicien de quel bord il était. Il m'a répondu extérieur pied droit. Ben oui, je te dis que c'est n'importe quoi. Mais le problème des partis politiques, hein, c'est qu'à la place de se mettre en valeur, ils se défoncent entre eux. Ouais. C'est comme si je disais sans arrêt à mon ex que son nouveau copain est un connard. Ça n'importe. Bon, c'est pas le bon exemple, parce qu'en l'occurrence, c'est un connard. Si, c'est un connard. Et à la télévision, c'est pareil, hein. Ben oui, j'ai regardé les débats. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais attends, Je peux même te faire le top 10 des phrases types de l'homme politique. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Mais c'est faux! Ce que vous dites est faux. Vous savez combien de citoyens je croise dans la rue et qui me disent « On n'en peut plus, monsieur Guinchard ». J'ai apporté avec moi ce document. Parce qu'en réalité, de quoi parlons-nous? Je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Mais prenez vos responsabilités et allez sur le terrain. Moi aussi, je suis fils d'immigrés, issu de l'immigration. Mes parents sont luxembourgeois. Combien, monsieur Daudry? Combien? C'est incroyable, ça. Vous ne répondez pas à la question. Non, vous ne répondez pas à la question. Et c'est comme les pancartes au bord de la route, hein. Chaque année, c'est les mêmes tronches. Ils ont pas pris une ride. T'as l'impression qu'on a congelé les candidats entre chaque élection. Ils inventaient la politique en Grèce antique. Les candidats de cette année avaient déjà leurs pancartes. Ce sont des dinosaures, je te dis. Des fossiles, même. Cela dit, hein, je critique les politiques, mais quelle chance on a d'avoir l'obligation de voter. Bah si, je suis désolé. T'as quand même rien d'autre à foutre le dimanche, toi. Eh ben alors, va voter. Fais pas chier. Parmi ces milliers de candidats, t'as sûrement des centaines de gens incroyable, hein, dévoué, passionné, et c'est pour eux qu'il faut voter. C'est un moment clé pour l'histoire de l'humanité. Il suffit d'ouvrir la bonne porte en déposant ton vote. Oh putain, c'est beau ce que je dis. Je crois que je vais créer mon propre parti politique. Ça s'appellera Guillaume vous détox. C'est bien ça, non? Comment ça, oui et non, oui et non? Mais vous m'emmerdez tous avec vos oui et non. Le vote est une chance. Saisissez-la. Votez Guillaume vous détox. Pour une Europe qui dit oui et non. Oui, parfois elle dit... Oui, ben c'est comme ça, parfois c'est non.